on est à Grazac aujourd'hui et le but de ce chantier, c'est de réaliser la passerelle himalayenne la plus longue de France, qui se situera dans les gorges du Lignon, entre la commune de Grazac et la commune de Saint-Maurice-de-Lignon. Alors le projet a pour but de réaliser un équipement phare en termes d'écotourisme et d'attirer, donc de permettre une attractivité donc, du territoire et de permettre justement d'avoir des retombées économiques locales en termes d'hébergement, de restauration, et ça toute l'année. Alors on est sur une passerelle qui sera de l'ordre de 260 mètres de long pour une hauteur de 63 mètres et un patelage où on est sur une largeur de 1,20 m avec un accès piéton. C'est une petite prouesse technique à réaliser ? Une prouesse technique, je dirais pas ça, mais il y a des contraintes techniques en tout cas, c'est sûr, puisqu'on est vraiment dans des gorges. Donc très contraignant en termes d'accès engin évidemment, puisqu'il faut limiter un maximum l'impact sur le milieu naturel, d'où la nécessité de travailler en héliportage sur l'essentiel du chantier. Et que fait l'hélicoptère aujourd'hui ? Alors l'hélicoptère aujourd'hui, vous voyez le camion à béton à côté, il est là pour amener simplement le béton pour couler les dalles qui vont permettre de fixer les poteaux d'assises de la passerelle. Et le chantier devrait se terminer quand ? Quand est-ce que le public va pouvoir passer sur cette passerelle ? Je ne vais pas vous annoncer une date précise, puisque dans ce type de chantier-là, on a toujours parfois quelques aléas. En tout cas, on a des impératifs réglementaires, mais aussi en termes environnementaux, puisque en ce qui concerne la passerelle elle-même, elle doit être terminée au mois de janvier, puisqu'on est sur un milieu de nidification d'oiseaux, d'espèces protégées, et les accès se feront dans la foulée. Donc si tout va bien, on prend le temps, on va faire quelque chose, mars-avril peut-être, on espère que cette passerelle.